Maxime. Sans commentaire. Quoi, 5 ? Encore ? Bref, quand j'étais au lycée, j'étais bon en anglais. Alors je me suis dit, pourquoi pas Elo ? So, I will talk about my story. Comme ça faisait plus sérieux, je suis allé aux portes ouvertes de Paris 7. Là-bas, on a vu le directeur. Il a parlé, parlé, parlé. À un moment, il a dit: sachez qu'il n'y a que 20% de réussite. 20% de réussite, c'est une personne sur 5. J'ai regardé Tiffany. Elle m'a regardé aussi. J'ai regardé Sarto. Elle m'a regardé. J'ai regardé Quentin. Il m'a regardé très bizarrement. Au début, j'y ai pas cru. Maxime. Et puis j'ai eu cours d'anglais. I will talk about my story. Can you speak English, please? Mais bon, ça n'a pas démotivé. Même quand j'ai reçu un mail de la scolarité disant: j'ai lu. Chers étudiants, suite à un bug informatique, nous n'avons pu être en mesure de vous informer que les partiels auront lieu à partir de la semaine prochaine. Veuillez nous en excuser. Bon courage. J'ai compris. Allez, vous faire foutre. Au début, on était 200 étudiants que ni des 5 en anglais, ni des mails plutôt inquiétants ne démotivaient. Et puis vers la fin, on n'était plus que 5 sadomaso à MSA. Au deuxième semestre, on n'a pas reçu nos emplois du temps. Alors j'ai voulu aller à la scolarité. On n'avait pas non plus de prof de gestion. Ne vous inquiétez pas, les cours de gestion auront bel et bien lieu. Nous nous chargeons de trouver un professeur compétent. Ok, très bien. Merci. Au revoir. LEA, c'est aussi avoir des cours tels que professionnalisation. Petit tour de table, j'aimerais connaître réussite. J'ai voyagé dans 12 pays différents. Je suis rédactrice dans un magazine. Je suis polyglotte. Moi, j'avais gobé un flambi, rempli le Pokédex, léché mon couille et attrapé une mouche avec des baguettes dans les yeux bandés. Bah j'ai eu la moyenne à mon parcelle d'anglais. Bref, je suis en LE. Et sinon, les partiels, c'est quand?